Merci. On retrouve le tipotage demain. Ah, on fait signe. Il y a une invitée surprise. Classe là, son petit oiseau. Classe là, maman. Classe là, mon petit oiseau. Moi, rien que la voix déjà, je suis tout excité. Nous recevons la star ce soir, Muriel Montossé. Bonsoir. Bonsoir. Mais Muriel. Le mot star est peut-être un petit peu important quand nous, même. Nous, dans cette émission, c'est le Charlie Show. Tout oui. le monde est star. D'accord. Hier soir, nous avions Charlotte Julien. Avant-hier, Jean-Pierre Descombes. Ce soir, c'est vous la star. Bon, ok, parfait. Voilà, alors parce qu'on veut avoir des nouvelles de tout le monde. On ne veut pas voir que ceux qu'on voit à la télé, on veut aussi les autres. Et surtout ceux qui ont sorti un disque extraordinaire comme le vôtre. Extraordinaire, oui. Le mot est faible, là, par contre. Alors, on va redire un petit truc, Muriel Montossé. Vous étiez la super blonde pulpeuse qui était dans la classe il y a quelques années. Eh oui, il y a déjà 7 ans que ça ne passe plus. Hein. Bah oui, dites donc. Et vous, vous passez où maintenant? Et moi, je passe beaucoup chez moi, vous voyez. Ouais. Je commence à répéter une pièce la semaine prochaine. Ouais. Mais vous avez toujours une voix extraordinaire, Muriel. J'ai une petite voix. Mais c'est pas que la voix, c'est la sensualité qui se dégage en vous, là. Oui, oh. Peut-être, je ne sais pas, à force de finir par y croire. Ben oui, dites donc, depuis le temps. Non, on se calme, Renato. Non, parce que mon réalisateur qui est déjà tout excité. C'était, lorsque vous étiez à la classe, vous faisiez des grands soupirs. Vous pourriez m'en faire un? Voilà, vous voyez, j'ai des souvenirs hein, quand même. Et oui, ça reste. Alors, vous préparez une pièce, vous disiez. Oui, je commence à répéter la semaine prochaine une pièce avec Sophie Darel. Ah oui. Que vous allez bientôt recevoir, j'espère. Ben tiens, je vais la noter, Sophie Darel. Et Christian Marin. Et Christian Marin, voilà. Et que oui. Des personnes intéressantes, Sophie Darel. Très sympa en plus. Voilà, et Christian Marin. Alors, Christian Marin, je l'ai déjà rencontré, mais je vais le rappeler. Hein. Oui. Ah ouais, c'est celui qui faisait Tanguy la Verdure, ça. Exactement, voilà. Oui, il y a pas mal de temps aussi. Il y a quelques années, hein. Mais dites donc, il doit être vieux, lui, hein. Non, c'est vous qui le dites. Non, moi, mais je rien dit. Moi, je les vois la semaine prochaine. Et c'est une pièce qui va s'appeler comment? Au pied levé. Et vous, vous allez avoir quoi comme rôle? Une fille très intelligente. Ce qui vous caractérise quand même, hein. Voilà. Tout à fait. Toujours. Enfin, ouais, bon, toujours. Une radicante idiote comme. Ah bon? Voilà, bon, mais le rôle est très drôle. Vous êtes naturel quand vous jouez un rôle comme ça ou... Faut être très intelligent pour jouer les idiotes. Oui, bah, sûrement, hein, ça, c'est pas le problème. Et Muriel, vous êtes dans quel coin, vous, de France? Là, actuellement, je suis en pleine campagne. Oui. Je suis dans un village qui s'appelle Les Choux. Les quoi? Les Choux. Les Choux. C'est mignon, hein. Ça, c'est mignon, oui. Et qu'est-ce que la télé vous manque pas? Je regarde beaucoup la télé, surtout les films. Ouais. Mais apparemment, je manque pas beaucoup à la télé. Ah ouais, il vous appelle pas? Non, bah bon, pas. Si y a un producteur qui passe dans la région, là, dans le Grand Sud, oui. Et qui écoute la voix de Muriel Montossé, franchement. Oh, vous avez tellement eu d'histoires avec les producteurs que c'est j'ai vrai. Un petit peu laissé tomber. Oui. Pourquoi les producteurs voulaient. Tous, oui. Non. Oui. Non, mais on le dit, mais c'est vrai en plus. En plus, c'est vrai, oui. Ah. Peut-être pas avec tout le monde, mais moi, j'ai pas eu de chance de ce côté-là. Oh là 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 là. Mais ouais, qu'est-ce que vous voulez? Quand on reçoit un disque, c'est pareil. Nous, on a vu votre disque tout à l'heure quand on voit la pochette aussi. Vous le faites exprès, Muriel? Non, je le fais pas exprès. Vous, faites, vous mettez des choses sur la pochette. Nous, on regarde déjà Renato, mon réalisateur. Non, mais c'est même pas question de ça. Ah bon? Même avant, quand j'étais toute jeune. En jupe bleu marine, chemise corsage long à manches blanches, et petite calotte sur la tête. Les petites quoi? Une petite calotte sur la tête. Ah bah vous l'aviez sur la tête, oui. Tant que vous l'avez sur la tête, ça va. Bien. Mais non, sur la tête. Oui, oui, bah vous dites des choses comme ça, que si vous voulez un producteur, il entend bah, ça, oui, il va vrai, vous remettre c'est ma nature. Une calotte. Bien, alors Muriel, vous me faites un petit soupir, on va se quitter là? Oui, d'abord je fais coucou au monsieur que vous avez dit tout à l'heure, qui était dans le Gard. Oui. Parce que moi je suis originaire du Gard, je suis de Sommières. Sommières dans le Gard. Oui, j'ai toute ma famille qui est là-bas. Ah, c'est là qu'ils ont élevé une statue à vous. C'est bien, c'est vrai qu'il y avait des formes. Bon, Muriel, okay, je vous remercie d'avoir été présente dans cette émission, le Charlie Show. D'accord. Notre star de la soirée, et puis bonne pièce surtout. Merci, hein, et puis, c'est bah, jour, peut-être. Bah, tiens, dès qu'on entend parler de vous, la pièce, moi je vous rappelle. Hein, ok. Et vous en parlerez, j'appellerai Sophie Darel aussi. D'accord. Je vous embrasse, vous me faites un petit moi soupir aussi, vous me faites un petit soupir. Je crois que j'ai une petite... comment on appelle ça? Une petite...